Le bassin de lac, garçon. De manière progressive. Avec l'équipe numéro 3. Du coup, Johan, et Pina. Féminine en course, enfin en course. Tu vas faire quelle étape? La dernière, la cinquième. La plus difficile. C'est ça, il paraît, oui. La plus complète aussi, la plus intéressante. Donc, à d'y être. Depuis ce matin, on voit tout le monde qui court. Donc, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. D'accord. Tes coéquipiers, je crois qu'ils ont eu la tête dans les nuages, mais après, ils ont eu de beaux paysages en redescendant sur l'île. Il me semble aussi, ouais, c'était plutôt intéressant. Donc, faut espérer que le temps reste comme ça pour nous jusqu'à la fin. Ça devrait être plutôt pas mal.
D'accord. Est-ce que vous n'avez pas vu à tout hasard un dino rose? Tout à fait, on l'a vu plusieurs fois. Ils sont au taquet, franchement, ils sont indétrônables. Et d'après toi, ils sont dans le trio de tête pour l'ambiance? Pour l'ambiance, oui. Pour le classement, je ne sais pas, mais pour l'ambiance, oui. Wow, le classement, on s'en fout. C'est surtout l'ambiance qui compte, quoi. Pour l'ambiance, il n'y a pas de problème. Ils sont au top niveau. D'accord. Vous êtes que des filles ou vous êtes des mixtes? On est mixtes. Alors, il y a donc un masculin et quatre féminines, on est. D'accord, ok. Et alors, attends, ASM Pau, le Béarn qui vient faire son petit séjour au Pays Basque. Tout à fait, oui. De beaux parcours, de beaux paysages, même si c'était un petit peu ombragé ce matin. Mais non, franchement, très sympa. Puis bien sûr, l'ambiance, on vient pour ça surtout, hein, pour le dire. Bon, super, donc l'ambiance. Comment tu pourrais résumer ce trail par équipe? Je dirais très complet, beaucoup de solidarité entre nous. Pas forcément facile, mais bon, on vient là pour ça aussi, hein, bien sûr. Donc non, franchement, très bien. Faut continuer comme ça, surtout. Ouais, et pour l'ambiance aussi, je pense, un petit peu. Bien sûr. On sera là ce soir. Parfait, merci beaucoup. Et votre prénom, c'est comment? Lucie. Eh bien, merci Lucie. Thank you.